Salut tout le monde, c'est Gaming Tendance. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de Ark Survival Evolved de la série. Donc dans le dernier épisode, on avait apprivoisé deux spinos et on avait eu un petit bonus. Voilà. Donc les deux spinos sont actuellement ici. Petit Spino niveau 92 et Spino niveau 88. Voilà. Et le petit bonus, c'était le petit Pteranodon qui est juste ici, qui est au niveau 102. On l'avait apprivoisé. On était en train de se promener quand on avait apprivoisé les deux Spino. En petit bonus, on est en train de se promener, etc. Donc bon, je voulais vous dire aussi le Rex, le T-Rex mâle qu'on avait vu ensemble, je pense qu'il est mort. Il était juste derrière la maison, de ce côté par ici. Et j'ai jeté un petit coup d'œil, etc. Et je pense qu'il est mort parce que je ne l'ai pas revu du tout, du tout. Bon, voilà. Bon, enfin, bref. Du coup, aujourd'hui, pour l'épisode 17, nous allons aller un petit peu dans la salle d'éclosion. On va prendre Daxter avec nous. Voilà. On va prendre Daxter avec nous. Nous allons incuber pour l'épisode 17 ces trois petits œufs de Wyvern. Voilà. Donc nous allons voir si la salle d'éclosion fonctionne à merveille. Voilà. Hors vidéo, j'ai commencé un peu à faire de la décoration. Bon, voilà. Bon, je vais parler juste un tout petit peu plus fort. J'espère que vous m'entendez super bien. On va voir ce que ça donne, la salle d'éclosion. Alors, on va te mettre ici, toi. Alors, incubation 5 minutes. Ok, bon. Ça a l'air de fonctionner à merveille. Voilà. Donc là, on a les deux Ember Crystal. On va voir si on a les deux mêmes ou pas, de toute façon. On va voir si on a un petit peu de chance. Voilà. Donc il y en a pour à peu près 5 minutes. On a pour 5 minutes à peu près. Voilà. Donc on va incuber ces trois petits œufs de Wyvern. Bon. Je voulais voir aussi avec vous qu'est-ce qu'on avait en stock. Bon, là c'était les Wyvern, là c'est les T-Rex, donc pour le moment on n'a pas d'œufs. Hein. Et là, il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Normalement ici on n'avait rien du tout non plus. Ok. Voilà. Bon, on en a pour 5 minutes, donc bon, voilà. Qu'est-ce qui est pour les niveaux des dinosaures? Bah, il n'y a pas énormément de niveaux à passer. Il y a juste les petits spinos, mais ça, je vais voir. Je vais essayer de voir à peu près hors vidéo. Un petit raptou. Bon, aujourd'hui, c'est un petit épisode tranquille. Hein. Voilà. Un petit épisode tranquille qu'on va passer avec les petits dinosaures. Les T-Rex. Je t'ai pas trop mal de vie, toi. C'est vrai que quand on va aller faire le boss, on va vous déglinguer. Je crois que quand on va aller faire le boss, on va le déglinguer. Faudrait que je regarde aussi pour ce boss. C'est vrai qu'en plus, on n'a pas les selles, on a que du 25. On verra bien, de toute façon. Du coup, dans le dôme. Dans le dôme, je vais installer la. C'est pas la chaudière, c'est la cuisinière industrielle. Je vais installer la cuisinière industrielle par ici, je vais voir. Là, ici, j'avais installé une petite taxidermie. On va voir comment on va agencer tout ça, voilà. Je vais peut-être aussi, oui, il va falloir que je passe l'électricité aussi parce que je n'ai pas le temps actuellement. On va. Pas pour dans cet épisode, hein. Dans deux prochains épisodes, hein, on installera l'électricité, la cuisinière industrielle.
etc. On va voir comment qu'on va agencer ça. Faudrait que j'essaye de finir aussi cette maison aussi. Bon, après, on avance tranquillement. Bon, voilà, retournons à nos œufs. 3 petites minutes, ok, d'accord. Là. Alors, 3 minutes, 2 minutes et 3 minutes, ok. 2 minutes 56, 2 minutes 34, ok. Bon, ben voilà. À l'étage, j'avais mis aussi quelques petites taxidermies aussi. Ça n'a pas énormément changé, hein, de toute façon. J'ai mis une petite taxidermie juste ici et là. Donc bon, je vais agencer au fur et à mesure. Hein. Voilà. Voilà. Il reste 2 minutes, c'est pas mal du tout. Ici, c'est pour les cryo-frigos qu'on avait dit. Cryopodes, d'accord, ok. Bon, on a un petit peu de cryopodes. Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit épisode d'éclosion. Donc, du coup, bon, pour le moment, j'ai que des œufs de Wyvern. Bah, c'est ceux que j'avais été chercher avec vous et hors vidéo. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Parce que, bon, l'œuf de Wyvern rouge, cet œuf-là, on a la Wyvern qui est au niveau 81. Et ces Wyvern-là, pour le moment, on n'en a pas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, bon, ben, on va attendre un petit peu. Hein. Ben, je suis désolé pour le bruit, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, la salle d'éclosion, elle a l'air d'être opérationnelle, donc c'est impeccable. Voilà. Évidemment, si l'épisode et la série vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Ça me soutient. Voilà. Je pense avoir une petite idée sur le côté de la salle d'éclosion. Je vais voir. Bon, pour le moment, je peux pas trop bouger. Mais je vais voir avec vous dans cet épisode. Bon, j'attends. Oui, parce qu'il y a les petits bisous qui arrivent. On va se mettre en première personne pour vous voyez un peu mieux. Voilà, pour vous voyez beaucoup mieux pour les vidéos, pour la petite vidéo. Oh, petite chérie. Le blueprint, ça me met toujours 8 heures. Hein. Pourtant, j'ai fait les réglages, hein, mais. T'es au niveau 34. Ah, toi, tu es un mâle, ok. Toi, t'es un mâle, d'accord. Femelle. Donc bah du coup on va les garder, hein. Je vais pas les. Voyez ce que je veux dire? Bon. Donc du coup là on a un petit mâle et ici une petite femelle. Bon. Voilà. Je vais aller voir ma blue de cristal. Il me semble que c'est une femelle. Je pense que normalement. Il y a moyen que ce soit une femelle et qu'on puisse faire des œufs, je ne sais pas trop. Oui, toi t'es une petite femelle. Bon, et ben c'est cool. Parce que si toi t'es une femelle et que l'autre c'est un mâle, je pense qu'on fera des œufs pour. On fera des œufs pour améliorer les statistiques. Bon, alors toi. Autre option, distance de suivi très proche. Tac. Viens par là. S'il te plaît.
option, distance de suivi très proche, viens par là, et toi, autre option, distance de suivi très proche, et viens par ici. Allez, venez par moi, parce que là, ça nous casse un peu la tête. Et venez, mes chéris, venez par ici. Bon, c'est super, c'est pas mal du tout. Du coup, on aura les couples de la Blood Crystal et de la Ember Crystal. Venez par ici. Avant que vous soyez énorme, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. On s'active, on s'active. Allez. Ouais, comme ça, moi, ça nous permet de regarder si la salle d'éclosion allait au point. Comme je la désirais. Bon, apparemment il y a deux Wyvern qui sont montés mais pas l'autre. C'est pas mal du tout. L'agencement, ouais. Mais venez par ici. Ouais. Venez par là. C'est pas mal du tout. De toute façon je peux pas faire les blueprints encore malheureusement. Pourtant j'ai fait les réglages et... J'ai fait les réglages et mais bon... j'espère que ça va pas te tuer toi normalement, non. Comment ça se fait que tu viens pas parmi nous? Allez, monte là-haut, ma petite chérie. Pourquoi tu montes pas? Ah, un bâillon. Comme ça, je regarde avec vous si c'est au point. Allez, viens par là, toi. Ouais, parce que comme je vous avais dit en bas, c'est pour c'est la salle d'éclosion des œufs et puis en haut comment on appelle ça, les l'agrandissement des petits, juvéniles, adolescents et adultes. Je pense que de toute façon, même s'ils sont adultes et que je peux pas les sortir, je les crie au podré, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, pour tout ce qui est petite bestiole, ça devrait le faire. Bon, en tout cas le pont il est pas mal du tout. C'est bon, je vous fais cet épisode l'épisode 17 pour voir la salle d'éclosion, comment qu'elle fonctionne. Bon, donc en tout cas les climatiseurs on est good et puis ben le pont ça a l'air d'être à peu près pas mal du tout. C'est à peu près pas mal du tout, donc bon voilà voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des noms de dinosaures pour les wyverns. Alors on a une Ember cristal femelle et une Ember cristal mâle. Et on a la Blood cristal qui est un mâle. Voilà, voilà. Donc bon voilà, on va faire on va attendre un peu de la maturation ensemble quand même. Bon, je pense qu'on les finira pas ensemble parce que ça prend à peu près... ça prend à peu près 45 minutes, 1 heure la maturation, donc bon, voilà. C'est pas mal du tout. Tac, je pense qu'en lait, en cristal, je veux dire, on est pas mal. Je pense que même il y a peut-être moyen de vous en donner ou quoi. J'en avais récupéré. Par contre, j'ai vu que ça ne se conservait pas du tout. Normalement, j'en avais mis dans le frigo. D'accord. Et après le cristal, il devient du cristal. Ok, ok. Bon bah écoutez, si le cristal devient, si le primal cristal devient près du cristal, bah oui, il se périme. Bon, d'accord, ok. Bah ça se périme assez vite quand même, hein. Je ne vous le cache pas du tout. Je vais voir aussi, j'avais pas mal de dinosaures aussi à aller apprivoiser aussi peut-être tout seul. Parce que je pense pas vous le faire en vidéo, après ça dépend ce que ça pourrait être. Bon, comme je vous avais parlé, le mâle T-Rex, je pense qu'il est mort, donc du coup bon...
On a un mâle au T-Rex à apprivoiser, on a une femelle ou un... Non, c'est un mâle argentavis qu'on doit apprivoiser. Je crois qu'il fallait qu'on apprivoise un mâle aussi pteranodon. Bon, revenons au niveau. Le pteranodon. Je vais te mettre de la vie quand même. Voilà. T'as 5400 de vie, t'es pas mal du tout. C'est vrai que je préfère avoir pas mal de vie quand même. Bon. Ben voilà. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour l'épisode 17 des noms de dinosaures pour les wyverns. Voilà. On va retourner voir là-haut. J'ai pas fini la peinture aussi non plus, hein, je vous en avais parlé, hein. Bon, je peux pas être non plus partout non plus, puis bon, je peux pas toujours vous faire la même chose. En tout cas, ils grandissent. On est à 23% de maturation, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'avais regardé pour les blueprints, et puis bon, malheureusement, ben, je crois que. Ça fonctionne toujours pas, donc c'est dommage. Donc il va falloir les faire des petits, je pense. Donc bon, on verra bien. Je vais voir comment ça se passe de toute façon. Avance un petit peu, toi, parce que on va avoir un petit problème. Ouais. Qu'on puisse vous voir, mes petites. Ouais, bah pourtant j'avais fait les réglages, hein, comme je vous avais dit, mais bon, bah, je sais pas, c'est bizarre quand même. C'est vrai que ça m'embête un peu aussi, c'est. Ça m'embête un peu aussi ces blueprints, hein, qu'on peut pas les faire. Voilà. Allez, on pousse, on pousse. On pousse, mes petites. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je vais voir. Bah, je pense que je vais aller voir hors vidéo déjà pour essayer d'avoir des couples, qu'on puisse faire des œufs. Hein. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous en parle aussi. Faudrait qu'on ait des œufs un petit peu là, parce que c'est vrai que bon, les wyverns, j'avais été chercher les œufs. Hein, j'avais été en chercher avec vous et hors vidéo. Voilà. Tant que vous grandissez, au pire des cas, ce que j'aurais pu faire, je vais aller voir avec vous. Si le T-Rex. Si on peut trouver un T-Rex ou pas, ou si on peut retrouver ce T-Rex. J'ai regardé, etc. pendant un bon moment, mais je ne l'ai pas trouvé. Il y a eu un petit rollback, hein, excusez-moi. Il était par là, hein. Je me rappelle, hein, il était par là, mais je sais pas, je ne le trouve pas. C'est bizarre quand même. Bon, on commence à être un peu équipé quand même en dinosaures.
un rapport au début, hein. On n'avait pas bien grand-chose, hein. Hein? Il y a des petits spinots. En plus, j'étais assez loin pour tamer des spinots, et il y en a juste à côté de la maison. C'est vraiment de se foutre de moi, ça. Wow, mais c'est quoi tout ça? C'est la baston du siècle? Carnot? Mal Spino niveau 15. Oh non! On sait qu'on a des spinots dans le coin. Je verrai bien si ça respawn, hein, de toute façon. Je vais bien voir. Bon bah écoutez, on va rentrer à la base, hein. De toute façon, vous inquiétez pas. Bah dites-moi dans les commentaires si vous voudriez qu'on tame quelques dinosaures ensemble. Hein. Parce que bon, je vais essayer d'aller tamer, il va me falloir Spino mâle, T-Rex mâle. Nous avons un T-Rex juste ici, on a un T-Rex mâle 64. Bon bah écoutez. Reste ici mon petit bonhomme, t'es au niveau 64. Je vais essayer d'apprivoiser le mâle avec vous, en plus il est super beau, il est rouge. Je vais aller chercher les narcotiques et les flèches. On va essayer de se l'apprivoiser ensemble. On va essayer de se l'apprivoiser ensemble, je pense. Ou déjà du moins de l'endormir. Je vais aller revoir les petites wyvernes qu'on puisse les voir ensemble. Qu'ils grandissent quand même, parce que c'est le but de la vidéo. Bon, vous commencez à grandir, hein, mes petites chéries. Vous êtes pas mal du tout. Vous êtes super belles. Active la caméra. Vous êtes super belles. Ils vont être déjà adolescentes. Hein. C'est pas mal du tout. Voilà, je voulais faire regarder un petit peu. Je vous enlève les écritures, même si vous voudriez. Voilà, tac. Voilà, voilà. Voilà, donc bon écoutez, moi je vais me préparer pour essayer d'aller tamer ce T-Rex mâle. Je pense qu'il va pas mourir parce qu'il a assez gros level. Il y a moyen qu'il ne meure pas tout de suite. Sans flèches, c'est pas mal du tout. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Donc bon, du coup, donc vous serez pour la suite qui devrait normalement avoir à la maison ce joli T-Rex mâle niveau 64. Voilà, voilà, parce que je pense que je vais pas le tamer avec vous. Puisque normalement c'est pas le but de la vidéo, donc bon voilà, je vais aller le tamer hors vidéo, voilà. Moi je vous laisse un petit peu admirer ces super belles wyvernes, ils sont sublimes. Ils sont sublimes, on a le couple, hein, des Amber. Les oranges, on a le mâle et la femelle, et là nous avons un mâle. Donc on va faire pas mal de reproduction d'œufs, etc. Et je vais, quand j'aurai assez d'œufs, je vous ferai des épisodes d'éclosion. Voilà, voilà. Attendez, je vais essayer de me mettre comme il faut. Tac, tac, tac. Déjà, on va réactiver la troisième personne. Et voilà. Eh ben écoutez, moi ça a été un plaisir de vous tourner l'épisode 17. Donc là du coup, tant qu'ils grandissent, etc. Bon, moi je vais aller
Je vais aller hors vidéo, vous tamer ce petit T-Rex. J'espère qu'il sera toujours là parce que franchement, il est sublime. Voilà. Donc, si l'épisode vous a plus, lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Même sur Twitter, Twitch, voilà. Ça me fait énormément plaisir, comme ça on avance ensemble, etc. Je pense que je vais vous faire des petites surprises aussi dans de prochains épisodes. Je vais voir, je réfléchis encore un peu, etc. Donc bon, voilà. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 18. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Allez, à la prochaine. Salut, salut. À la prochaine.